Clicar aqui. Aí, começou. Aí, assim que a gente vai começar, eu já vou te apresentar rapidinho, apresentar. E voilà, nous sommes en direct. Olá, todo mundo. Boa noite a todos. Eu estava conversando com o Daniel, nem vi que a gente tinha começado assim. Ó, só um segundo que eu estou colocando o um negócio aqui. Tac. Eu estou chegando. Agora sim, deu certo. Daniel, salut, ça va? Salut, ça va? Toi? Bon, ça va très bien, merci. Gente, para quem não sabe, para quem não está acostumado, essa aula de hoje é uma aula de conversação ao vivo, tá? De quinta-feira a gente faz aula de conversação com meus alunos. Hoje, eu, Daniel, eu não vou nem apresentar o Daniel, mas eu quero reforçar. Quem ainda está começando no francês, quem está indo no francês, que não. É muito bom esses momentos para escutar outros alunos, ver a evolução dos alunos, ver, enfim, aproveitar da experiência dos alunos. E Daniel vai começar diretamente. Daniel, je te connais. Les personnes, tout le monde ne te connaît pas. Est-ce que tu peux nous dire qui est Daniel, s'il te plaît? Oui. Je m'appelle Daniel. J'ai 37 ans. J'habite à São Paulo. Mais je suis né dans une petite ville sur le nord du Brésil qui s'appelle Juazeiro do Norte, dans l'état de Ceará. Ouais. Ceará. Quand Et tu quand dis que c'est j'ai. une petite ville, c'est une ville de combien de personnes? Je ne suis pas bien sûr combien, mais c'est une ville importante pour la religion parce que il y a grande statue, il y a beaucoup de tourisme pour la religion. Ouais, d'accord. Et aujourd'hui, tu habites à São Paulo. À Alors, São dans Paulo, la capitale? capitale, oui. Ouais. Quand j'avais 2 ans, j'ai déménagé avec ma famille pour São Paulo. Ok, d'accord. Donc, en réalité, tu es un véritable. Et pas, c'est paulista ou paulistano qu'on dit? Paulistano, Paulistano? je crois. Je crois. Je suis Paulistano. métier. Bon, très bien. Et dis-nous, Daniel, donc tu as 37 ans, tu travailles ou... Oui. Je suis pianiste. Je travaille à la Sala São Paulo avec le choir et avec les élèves de l'académie. Je suis professeur à l'école de musique de la Fondation Théâtre Municipal de São Paulo Génial. aussi. Et pas maintenant, mais j'avais l'habitude de voyager pour jouer un récital, un concert, un festival, Très toutes bien. ces choses avec Et musique. donc tu es un pianiste professionnel, quoi. Oui. C'est super, c'est rare. Il y a beaucoup de pianistes professionnels comme toi à São Paulo ou au Brésil. Oui. Il y a beaucoup de Ouais. pianistes. Mais je travaille spécifiquement avec des chanteurs. Avec des chanteurs, il y a beaucoup de pianistes. C'est la raison aussi de mon intérêt pour les langues. J'adore les langues, je parle quelques langues. Et pour moi, le français, c'est très, très important parce que j'utilise presque tous les jours Très bien. Et alors, avec dis-nous. mes élèves. Ouais. Et alors, moi, j'ai beaucoup de questions. Tu vas voir. Ma première question, c'est pourquoi les langues sont très importantes pour un pianiste? Parce que un pianiste joue du piano. Oui, Tu vas devoir mais parler avec. il y a un homme en français, enfin, nous appelons pianiste répétiteur. Actuellement, aujourd'hui,
nous disons collaborateur, pianiste collaborateur. Mais les dames, avant, étaient pianistes répétiteurs. Notre travail aider les chanteurs à parler correctement la langue italienne, allemande, français, anglais, portugais, notre cas. Tu vas vérifier en fait, donc tu vas accompagner la personne au piano et vérifier si l'accent ou si la musicalité de la personne est correcte, c'est ça? C'est ça, l'interprétation, la connaissance de paroles, de paroles de mots, c'est intéressant. Génial. Et alors, donc ça veut dire que tu vas accompagner des personnes qui vont chanter en français, en italien, en anglais, en allemand. Ça veut dire que tu parles anglais, italien, allemand, français, portugais. Bien, je parle portugais, bien sûr, anglais, italien, italien, un peu de français, un peu d'allemand, hongroise, hongroise, hongrois, Hongrois. hongrois, parce que j'ai vécu quelques temps à Budapest. Je connais un peu de la langue. Je ne parle Génial. bien, mais je peux communiquer dans la rue pour prendre un train, métro, Super. bus. Et alors, donc avec tes élèves, tu vas organiser les langues, la prononciation, etc. Est-ce que tu as aussi accès à des personnes de France, par exemple, des chanteurs français ou des collègues pianistes français avec qui tu dois communiquer? Oui, quand j'ai vécu à Écosse, j'ai fait mon master en Écosse. Il y avait un pianiste, mon amie, elle est belge, et elle m'aidait beaucoup Très bien. quand Alors attends, j'étais. j'ai déjà une question pour toi. Oui. Daniel, tu fais des présentations au théâtre, dans les pièces et les spectacles, c'est ça? Les gens ils demandent. Oui. Allez. Oui. Et donc tu accompagnes et en plus tu es un collaborateur, Oui. hein, pour les répétitions. Pour répétition. Au théâtre municipal, je travaille avec les élèves l'école de musique. Mais parfois, j'ai joué au théâtre aussi, dans les spectacles. Mais à Salle São Paulo, je joue pendant les essais, les répétitions, Répétition. les concerts aussi. Très bien. Et bon, alors j'imagine que en ce moment tout est en pause à cause du Oui. Covid, de la pandémie. Oui. C'est fini, fini ou ça continue un peu? Je continue à l'école. Je fais des leçons, des cours avec Zoom. Comme tout Et le monde. oui. Mais à São Paulo, oui. Je juste repose. Il y Très bien, a très bien. Bon, ça va. Et alors, le français, pour toi, il est important dans le monde de la musique, d'opéra, dans ce monde, la langue française est réellement importante parce que je pensais que c'était plus l'allemand ou même l'italien. Je peux dire que l'italien, c'est la langue essentielle pour l'opéra. C'est la plus importante, je peux dire. Mais après l'italien, je dirais que le français, c'est la seconde langue
plus important. À voir, après. Pour moi, ouais, voilà, peut-être pour l'allemand, c'est l'allemand. Attention à ne pas créer des disputes. Pour toi, oui. Pour moi, c'est la chose pour que moi, je préfère. Très bien. Et, dans la deuxième langue. Et est-ce que tu penses que savoir le français, enfin savoir la langue française, ou savoir échanger en français, communiquer en français, échanger, etc., ça pourrait te permettre, après, quand la pandémie sera finie, d'avoir des opportunités, par exemple, de stage, de formation, ou même, qui sait, professionnel, en France, en Europe, en Belgique, en Suisse, ce serait possible? Oui, 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 c'est possible. Je ne pense, pour moi, maintenant, de quitter le Brésil, mais qui sait? c'est important, c'est important, très important. Et ailleurs, j'adore voyager le monde. Je ne connais pas encore Paris. C'est vrai? Et c'est vrai. J'étais en Lyon, Nice, en Belgique, Bruxelles, Bruges, mais Paris, pas encore. Très bien. Et tu as été en Europe pour des raisons d'études quand tu as réalisé ton master, ou Bruxelles, Lyon, etc. C'était pour un voyage de loisirs, un voyage pour toi. Nice et Lyon pour loisirs. Mm-hmm. Actuellement, mon destin était à Budapest. Mm-hmm. J'ai pris un bus. Le bus a fermé à Lyon. Il n'était trop long, ouais. Très court, mais il était bon de voir une ville différente. Uh-huh. Mais Bruges, Bruxelles, je restais quelques jours. Mm-hmm. Alors, tu as aimé Bruges et Bruxelles, tu as préféré quelle ville? Parce que j'ai visité les deux villes et il y a une ville qui est qui gagne pour moi sans... Il n'y a même pas de compétition. Toi, tu as préféré quelle ville? Bruges. Ah, j'ai savais. Bruges. Est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu peux nous présenter Bruges pour les personnes qui ne connaissent pas? C'est pas facile. Hein. Je dirais que Bruges ressemble comme un peintre. Mm-hmm. Les couleurs, l'eau, tout, c'est comme un portrait. Ouais, comme une peinture, c'est vrai, c'est magnifique. Oui, oui, c'est magnifique. Mm-hmm. Ouais. Très, très beau. J'ai connu Bruges en décembre avec la neige et l'illumination de Noël. C'était magnifique, c'est trop beau. Mais c'est une petite ville. Oui. Petite, mais qui est très, 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 très charmante. Oh, tiens, j'ai une autre question. Pardon. Daniel, ça fait combien de temps que tu parles français, que tu as commencé à étudier le français? C'est une longue histoire. la première fois que j'ai étudié, il y a beaucoup, beaucoup de temps, longtemps, j'ai commencé avec un ami. Après, je déménageais pour l'Écosse et il n'était pas de ma master, les langues. Donc, j'ai eu le cours d'italien, de russe, d'allemand et de français. À la fac? Oui. Mm-hmm. Quand je suis revenu au Brésil,
Je fais deux modules à l'Alliance française. Il y a, je ne sais pas, 3 ou 4 ans. Et l'année dernière, j'ai eu le plaisir de connaître Eric. Et j'ai commencé le course en juillet ou août, je ne sais pas. Et j'ai étudié régulièrement pendant 3 ou 4 mois. Mais je suis tombé malade. J'ai le calcul rénal. C'est très, très, très douloureux. Qui a eu, c'est une douleur terrible. Je ne pouvais pas concentrer pour étudier, pour apprendre bien. Et après, j'avais beaucoup, beaucoup de travail le fin de l'année dernière. Et après, je suis parti en vacances. Aïe, 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 quelle Quand je horreur. suis revenu en janvier cette année, j'ai recommencé le cours depuis le module 1. Je suis maintenant dans le module 15 et l'année dernière, j'étais au module 17. Donc, je suis presque, presque, oui. Presque, Alors, presque il au y bon a niveau. beaucoup de temps que je ne parle pas avec Eric, avec quelqu'un. Ouais. J'étais très nerveux pour Non, jouer. non. Tu étais très, très nerveux en réalité. C'est ça. Tu es une personne qui est habituée à être sur la scène, à être habituée à être devant d'autres personnes, mais parler français, c'était la grande surprise. Alors moi, j'ai une question, une grande question. Comme tu es un musicien professionnel, Oui. est-ce que tu penses que, comme tu es musicien professionnel, tu as une meilleure oreille pour le français et ça facilite les choses pour toi, ta prononciation par exemple, le rythme, la manière de parler? Est-ce que tu penses que ça facilite ou pas du tout? Peut-être, je crois que oui, je pense que si. Parce que, mais je travaille, comme je l'avais dit, je travaille presque tous les jours avec la langue. Je dois prendre attention pour les élèves. Donc, je pense que l'attention, faire les corrections, écouter, en train écouter la radio, la musique, lire, tout aide Ouais. Et pour apprendre mieux. alors moi j'ai beaucoup d'étudiants qui me disent, Eric, je comprends bien le français, ça va. J'ai du vocabulaire. Quand je parle, ma prononciation, elle n'est pas toujours parfaite. J'ai certaines difficultés. Toi, comme professionnel, collaborateur avec une écoute, une oreille, on va dire, professionnelle, qu'est-ce que tu dis à tes élèves? D'accord, du piano, qui pourrait aider les personnes qui aujourd'hui sont avec nous et qui nous écoutent. Normalement, je dis d'essayer très, très lentement avec un miroir, peut-être, pour essayer de parler le son que nous avons pas ri ici. comme U, E, E, c'est difficile pour nous. Et je pense que notre oreille fait une adaptation pour le voyelle plus proche. Exactement. Donc, je travaille
répéter, écouter. J'envoie quelques vidéos de avec un français, en parlant. Et je dis, je dois dire, insiste. insiste. Et après un moment, les oreilles vont, bien sûr, certainement, fonctionner meilleur. Et je pense que c'est le chemin. Exactement. Alors, c'est deux choses super importantes que tu as dit à deux moments différents. Premièrement, comme tu dis, écouter, ça va obliger à familiariser l'oreille. Alors, quand je dis l'oreille, hein, c'est le système auditif, cognitif, etc. etc. Je fais une simplification. Mais c'est vrai que cette familiarisation, elle est nécessaire. Et pour prononcer correctement un mot, un son, comme tu as dit, hein, O, E, 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 etc., c'est des sons qui sont très proches, qui sont similaires, qui sont bons, etc. Mais plus tu les écoutes, plus ton cerveau est capable de les traiter. Et si ton cerveau est capable de les traiter, en conséquence, tu es capable de les dire aussi. Et à chaque fois, de plus en plus correctement. Et comme tu as dit, insiste, insiste, continue, persiste, continue, respire, répète, et tu fais. Et ça, c'est exactement la recette du succès. Comme dans le cours, par exemple, que tu es en train de refaire, il y a une grande partie du cours qui est basée sur la compréhension, sur l'écoute. J'aime beaucoup quand les étudiants écoutent. Pourquoi ? Parce que notre compréhension, c'est toujours la chose la plus importante. Toujours. Et après, pour se communiquer, on va communiquer, échanger et avancer petit à petit. Amen. Oui. Exactement. Et c'est intéressant aussi que même des personnes qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas couramment français, comme tes étudiants, par exemple, de piano, ils ont la capacité de reproduire des sons. C'est juste une question, comme tu as dit, d'insister. Ah, tiens, Hugo, il te pose une question intéressante. Comme tu es un musicien professionnel, il dit, quelle musique est-ce que tu aimes écouter en français pour étudier, Daniel? Pour étudier, j'aime écouter Charles Aznavour. C'est vrai? Les classiques? Oui. Edith Piaf, c'est différent. Mais j'aime les mélodies, les chansons, j'aime. Dalida, c'est un différent accent, mais j'aime beaucoup les chansons aussi. Plus jeune, il y a Zaz. Ah, Zaz. Tu sais que Zaz, elle est considérée... Bon. Les médias français l'ont considérée comme la nouvelle Édith Piaf. Ah oui. À cause de la force sonore, de la puissance sonore qu'elle a. Mais pour nous que étudions avec Eric, la playlist que tu as offert sur le Spotify, c'est magnifique. C'est laquelle que tu écoutes? Beaucoup j'aime le romantique. J'imaginais. Le plus vieil, le plus... Musique classique, oui, ouais. Oui. C'est mon préféré. Ouais. Alors moi, je vais donner mon opinion. Pour étudier, bon, pour écouter la musique, pour se faire plaisir, toutes les musiques fonctionnent. Parce que ce qui importe, finalement, c'est tes goûts musicaux. Si tu aimes les musiques
classiques, écoute des nouvelles musiques classiques. Si tu aimes le rock, écoute du rock. Si tu aimes du hip-hop, écoute du hip-hop. Pour étudier, moi, Eric, comme professeur, je préfère quand les étudiants choisissent les musiques plus instrumentales, très calmes, guitare et une voix. Piano, voix. C'est tout. Pourquoi? Parce que ça facilite énormément. Ils sont plus calmes, plus agréables. Moi, il y a une playlist, c'est ma playlist, je pense, préférée sur Francisco Francés, c'est la playlist acoustique. Acoustique, oui. Je suis un fan de la musique acoustique. Ah, c'est ce que je préfère. C'est plus calme, plus joli, plus zen. Ça fonctionne à tous les moments. Quand tu es stressé, tu écoutes une musique acoustique, ça tranquillise. Oui. Quand t'as trop d'énergie, même chose, tu écoutes ça et tu maintiens l'énergie ou tu calmes, tu orientes. C'est plus agréable. Oui. Il y a une chose que c'est important. Pour exemple, je préfère écouter la musique pop que la musique classique pour le français. Parce que le français pour le chanteur, c'est un peu différent. Ce n'est pas le même à cause de l'air. Nous utilisons le R de l'italien pour Exact. une question vocale, de la technique vocale. Ce n'est pas possible de chanter sur le son, mais c'est possible de chanter le Exact. R. C'est un peu différent. Je pense que pour écouter et pour apprendre le son, je préfère la musique pop. Et tu sais que cette chose du son r à l'italienne, c'est un étudiant à moi, un étudiant qui étudie la chanson classique à UFRJ, Universidad Oui. Federal de Rio. Ça existe, à Oui, Rio de Janeiro. Ouais. Donc il étudie là-bas. Et il m'a dit que même à l'époque, les chansons en français avaient le R à l'italienne pour une question de mélodie. Et je n'avais jamais imaginé. En fait, je n'ai jamais étudié la musique classique. Donc pour moi, c'est une nouveauté. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et Edith Piaf a ce R un peu différent. Hein, ce R. oui. Oui. Au fait, demain, le professeur de chant du chant de UF, RJ, ouais. il a une répétition avec moi. C'est vrai? Oui. Génial. Mais alors, quand tu dis il fait une répétition, il va lui chanter et tu vas Oui. l'accompagner pour le corriger. C'est ça? Si nécessaire, oui, mais il est très professionnel, très bon. Il a situation comme cette situation. Normalement, nous parlons sur la musique. Je peux dire quelques idées. Il peut dire quelque chose aussi. C'est plus une Un échange. conversation qu'un changer que une leçon. Ouais, très. Et ce Il sera avait une besoin. rencontre virtuelle ou vous allez vous voir, vous rencontrer? Oui, nous rencontrerons demain ici, à ma place, Cool. Bien, chez bien, moi. bien. Ouais, c'est le monde est un petit monde. On parle Oui. de UFRJ, etc. Tu vas rencontrer la personne. Bon, et alors, dis-nous. On a compris que, comme tu es un musicien, tu as des facilités pour la musicalité de la langue. J'imagine la compréhension orale ou l'identification des mots, etc., etc. Ça, c'est la partie fa facile. Quel pour toi, quand tu as commencé le français, avec moi par exemple ou avant, la principale difficulté que tu as eue, c'était avec quoi? Avec les verbes, parler, ou c'était quoi? Parler, pour moi,
Parce que je lis beaucoup. J'ai toujours avec la partition, avec les paroles. Et je n'ai beaucoup d'amis qui parlent français. Et pour moi, c'est plus facile de lire que de parler. C'est pas juste pour toi. Je veux t'assurer que pour tout le monde qui parle français, qui sont brésiliens, généralement, c'est bien plus facile de lire que de parler. Mais aujourd'hui, tu arrives à parler. Qu'est-ce que tu as fait alors pour changer cette chose, pour te forcer à parler, pour communiquer plus? Je parle avec moi-même. Quelle chose bizarre. Alors, explique-nous cette chose, que tu parles avec toi-même. Comment tu parles avec toi-même? Je pense sur une situation, je commence à parler comme ce serait si j'étais là-bas. Je parle sur un restaurant ou sur mes affaires sur mes élèves. Surtout, ça fonctionne. Et ça peut être une répétition mentale ou une répétition verbale. Les deux fonctionnent. Exactement. Alors, je ne sais pas si tu fais la même chose quand tu fais du piano, mais je me rappelle, moi, j'ai étudié la guitare. Quand je dis j'ai étudié, hein, c'est un grand mot. Mais j'ai étudié la guitare quand j'étais de mes 10 ans, approximativement à mes 18 ans, la guitare classique. Oui. Bien qu'avant, bon, pendant la répétition, on répétait physiquement, mais il y avait aussi une répétition mentale, d'imaginer la position, écouter le rythme, etc., etc. Oui. Et cette visualisation, elle aide énormément. La répétition, dans un sens ou dans l'autre, c'est super important. C'est bien. J'espère que tout le monde a compris et que tout le monde va faire la même chose, parce que ça fonctionne. On a deux professeurs qui disent la même chose, donc c'est une bonne chose. Très bien. Et tu as d'autres personnes avec qui tu parles au théâtre municipal, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui parlent français? Est-ce que tu es en contact avec d'autres professionnels d'autres pays? Est-ce qu'il y a un genre de mastermind ou de je ne sais pas? Oui, je connais quelqu'un qui parle français, mais c'est très, très difficile d'accorder un horaire convenu. Oui, un horaire, ouais. Convenu un horaire, c'est très, très, très difficile. Pourquoi je te demande ça, Daniel? Je te demande ça parce que je sais que les autres étudiants qui sont en train de regarder cette conversation, d'écouter cette conversation avec nous, sont déjà en train de te dire, Daniel, pourquoi tu ne participes pas à la communauté française comme vous savez? Daniel, tu dois parler avec nous parce que c'est facile. J'aimerais bien. Mais, par exemple, jeudi, c'est le seul jour que j'ai la soirée libre. Mm-hmm. Toutes les autres jours, je suis occupé. Ouais. Moi, c'est... Mais tous les jours, je vois, je pense, j'aimerais beaucoup parler avec eux, mais maintenant ce n'est pas possible. Je jure que je veux
Je jure, aïe, 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 c'est pas à moi que tu dois t'excuser, c'est aux autres étudiants, mais les étudiants, vous avez compris, ils jurent que ce n'est pas possible, okay? Très bien, non, tranquille, mais c'est vrai que le secret pour parler, c'est exactement comme tu as dit, le secret pour comprendre le français, c'est écouter beaucoup de français, et le secret pour parler, il est évident, c'est parler français, comme tous les secrets, toutes les choses, par exemple. Pour jouer bien du piano, pour améliorer sa manière de chanter, c'est une question de pratique. C'est Oui, pour cette raison qu'il y a des répétitions. Ça s'appelle répétition parce que la personne va répéter, répéter, répéter. Nous sommes des machines, finalement. Nous avons besoin d'améliorer, d'améliorer, d'améliorer constamment, quoi. Donc, tu dois essayer. Bon, continue à parler seul, c'est bien. Si tu peux, le jeudi soir, il y a des rendez-vous à 19 h, par exemple, c'est possible. je suis libre. Depuis 8 heures, Alors, non. à 19h30, je suis occupé jusqu'à 8 heures. Bon. C'est le problème. Je vais dire aux personnes de créer un autre horaire après 8 heures spécial Daniel. Tu vois, ça va être possible. Ah. Tout est possible. Il suffit de vouloir. Bon, très bien. Et alors, dis-moi, avant de me connaître, tu avais déjà étudié le français à l'université, tu avais déjà parlé avec une Belge qui t'a aidé, tout ça. Pourquoi tu as décidé de recommencer un cours parce que tu avais déjà fait des cours avant? Oui. Cette révision, cette pratique, pourquoi ça? Révision pratique, parce que je sais que tu es français. J'avais le souhait de étudier avec un français. OK, en Écosse, le professeur, elle était française, mais pour le calcul par le langue anglaise, c'est très, très difficile d'apprendre les autres langues. Donc, nous parlons longtemps, 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 seulement sur le verbe être. Ce n'est pas la même chose. Tu sais ce que tu dis là, c'est intéressant parce que j'ai déjà d'autres personnes qui m'ont dit, nous avons essayé d'apprendre, j'ai essayé d'apprendre le français, mais avec une autre personne, dans une autre langue, en anglais. C'était un étudiant à moi qui habitait Dubaï. Et il m'a dit, j'ai essayé 3 fois, mais comme ils habitaient à Dubaï, OK, et ils utilisaient l'anglais, et je veux dire, l'anglais était un intermédiaire. Donc, il avait le portugais, l'anglais et le français. Mais moi, quand j'enseigne le français aux Brésiliens, je sais exactement quelle chose je peux dire et quelle chose vous allez comprendre rapidement. Pourquoi? Parce que le français et le portugais sont deux langues relativement similaires, qui nous descendent du latin, tous les deux. Et donc, il y a des choses où nous pouvons accélérer beaucoup de choses et d'autres choses où non. Il faut ralentir, se calmer, expliquer, etc. Avec l'anglais, c'est presque une autre pédagogie. C'est presque une autre didactique, beaucoup plus classique. Tu m'as dit que vous avez conjugué le verbe être, être, être. C'est un peu bizarre et ce n'est pas forcément nécessaire. Et je pense aussi que pour eux que parlent anglais, il n'y a pas vraiment à vouloir d'apprendre des autres langues. Parce Possible. que tout le place dans tout le monde, vous pouvez parler anglais et
c'est OK. Exactement. Donc, je pense que c'est plus difficile pour eux d'apprendre parce qu'il n'y a pas de vouloir. Il n'y a pas le vouloir. Ouais, c'est ça, la nécessité, le besoin, l'envie est un peu différente. Et même la logique de la langue, finalement. Parce que si on analyse, l'anglais est plus simple. Par exemple, les conjugaisons. Oui. En anglais, il y a peu de conjugaisons. Le futur en anglais est super simple. En français et en portugais, par exemple, c'est une autre logique qui, d'ailleurs, c'est la même logique, c'est la même manière de procéder. Donc, c'est pour cette raison aussi que l'enseignement du français avec des anglophones est un peu plus théorique, un peu moins peut-être ludique. Et tu as fait ton master en quelle année? Parce que ça aussi, c'est une chose importante. En anglais. Mais en quelle année? En 2010. Non. C'est récent. Il y a 10 ans. Parce que la pédagogie, en 15 ans, en 10 ans, la pédagogie a bien évolué. Avant, oui, c'était une pédagogie plus traditionnelle, plus répétitive, grammaticale, etc. Aujourd'hui, on est dans une pédagogie qui est... Normalement, les personnes qui sont actualisées sont dans une pédagogie qui est communicationnelle, où on utilise le dialogue comme base d'apprentissage. Mais encore beaucoup, beaucoup de personnes utilisent la langue, premièrement avec la grammaire, et utilisent la grammaire pour se communiquer, et non pas l'inverse. Oui, c'est l'autre raison pour étudier avec toi, parce que tu as parlé dans les vidéos sur la communication, sur la nécessité de parler le français, le vrai français. Français authentique. Oui, authentique. Oui. Et je suis très, très, très intéressé à cause de cette raison aussi. Oui, parce que une langue, en réalité, pour tout, ça fonctionne comme ça. Pour un instrument de musique, pour une langue, pour du sport. Le plus intéressant, c'est étudier, parce que les études sont la base, mais pratiquer. Donc, en réalité, beaucoup de personnes commencent par la grammaire, par exemple en français, et après, non, il faut premièrement communiquer et utiliser cette communication pour comprendre la grammaire. C'est un chemin qui est inverse. Oui. Exactement comme les personnes, je pense qu'en piano, c'est la même chose, mais l'apprentissage du solfège se fait de manière simultanée avec l'apprentissage du piano. Oui. Si la personne étudie pendant 2 ans le solfège et 2 ans plus tard va commencer, la motivation est différente. Oui. C'est important, oui, c'est important, mais c'est une partie du tout. Oui. Eh ouais, pas mal, hein? Oh, c'est un cours qui ça commence à être une discussion philosophique d'apprentissage, etc. Pour toi qui étais stressé, qui ne pratiquais pas, ça fait longtemps, on commence à compliquer les choses. Bon, Daniel, mais écoute, c'est bien, je suis content de 2 choses. Premièrement, que les calculs rénaux soient finis, parce que ça, oui, c'est personnellement, je n'ai jamais eu, mais j'ai vu des personnes que je connais très bien qui ont eu, et je ne conseille à personne, même à mon pire ennemi. Non. Donc, c'est que ça se soit terminé. Et je suis très content que tu aies décidé de recommencer tes études et que tu aies l'intelligence d'accepter de recommencer à zéro, toc, 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 et avancer progressivement. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans le module 14. 15. Dans le module 15. Mais tu vas pouvoir avancer et continuer à avancer de manière plus solide. Le français, c'est comme la construction d'une maison. Plus les bases et les fondations sont solides, plus ta maison est correcte. Eh ouais, donc c'est bien, continue et attention toujours à bien pratiquer, à parler seul,
Et si possible, à parler avec les autres de la communauté, par exemple, ils seront super contents que tu participes. Oh, tu as félicitations, bravo, salut, talala. Ouais. Bon, ben, tu Merci, vois, merci à tous. c'était pas la Merci, peine. je suis très, très ravi de ton invitation. Je suis vraiment heureux d'être ici. Super. C'est moi qui suis ravi de un de t'avoir comme étudiant parce que c'est pas tous les jours que nous avons des pianistes professionnels comme toi. Deux que tu acceptes et trois que tu continues à avancer, que tu progresses et que tu te fasses plaisir surtout parce que le français c'est un instrument de communication pour se faire plaisir. Donc continue comme ça, c'est cool. Merci beaucoup d'avoir Merci accepté. beaucoup, Eric. Maintenant tu peux respirer, c'est tranquille. Oui. Oui. Merci Bon. beaucoup. Bonne nuit tout le monde. À bientôt. À bientôt. Daniel, après je vais t'enregistrer un message. Merci beaucoup. À bientôt. À Salut. bientôt. Salut. E aí, gente? Foi legal. Opa. Aí. O Daniel, agora eu posso falar, né? Que ele não tá mais. Mas ele estava muito nervoso. Na verdade, eu não sei como que a gente se comunicou. Eu acredito que ele entendeu que não ia ser ao vivo no começo. Ele me mandou uma mensagem hoje à tarde e falou: Nossa, senhor Eric, vai ser ao vivo, né? Tá tudo bem. Mas eu não estava preparado emocionalmente para isso. Mas gente, se sabe receber os alunos. Ele se deu bem. Ele teve que fazer uma pausa o ano passado, mas foi bem legal. Eu gosto de conversar com o Daniel, porque ele falou umas coisas que são super legais. Como ele também é professor de música, acredito que vocês entenderam, né? Ele falou que a grande importância de escutar. Que na profissão dele, ele vai, assim, corrigir cantor de ópera, né? Ah, para ter o tom certo da voz, o jeito certo de falar um O, E, A, por exemplo, fazer o som certo, né? E o grande segredo que ele falou é o segredo da repetição. Eu vi alguém que perguntou assim: Ah, eu não tinha entendido o que é uma repetição. Gente, repetição em francês é no mundo do teatro, no mundo da música, no mundo do cinema. Repetição significa repetir. Tá? A tradução mais correta que tem no português é ensaio, né? Quando a pessoa vai repetir, repetir, repetir muitas vezes. E essa repetição, de verdade, ela é muito proveitosa. Por quê? Porque a pessoa vai escutar e depois consegue fazer esse som. E para vocês vai ser a mesma coisa. Então, seguem os conselhos do professor Daniel, de música, porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês bastante em relação ao francês. Então, gente, espero que vocês curtem essa aula de hoje à noite, aula de conversação. E lembrando que amanhã não tem aula, sábado também não, domingo também não, porque é final de semana. E a gente vai. Você poderia discorrer a conversa do Danilo com você. Núbia, e disponibilizar isso que você quer falar? Núbia, eu não entendi o que você quer falar. Se você puder repetir o teclado novamente, eu acho que o seu corretor automático deu um erro, aí tá difícil de entender, não consigo. Mas enfim, então, próxima aula vai ser na segunda-feira. Então, eu ainda não criei essas aulas no YouTube, mas logo, logo eu vou criar, e logo, logo vocês vão poder. Ativar o lembrete para vocês participar. Beleza, gente? Estou só esperando a dúvida da Núbia, que eu estou vendo aqui. Núbia, se você está entre nós, fala o que que você quer dizer. Discorrer, Paulo. Se não está no nome. Disponibilizar. Ah, sim, Núbia. Vai ficar disponível aqui, tá? Então, sempre, todos os bate-papos estão disponíveis no meu canal YouTube, inclusive também no meu Instagram. Tá bom? Olha, o Daniel chegou aqui. Daniel, parabéns. Bravo, tá assuré. Você mandou bem, cara. Foi muito bom. Você estava nervoso, você me desculpa. Eu peguei com um sorriso, mas imagino que não é tão fácil assim. Beleza, gente. Ó, nos vemos então próxima segunda, mesmo local, mesmo lugar. E enquanto isso, as postagens, os conteúdos em francês não param, nem no meu Instagram, nem no meu YouTube. Nos vemos em muito breve. À bientôt. Salut tout le monde, merci.